Salut à tous, chers amis, ici Necros, le seul, l'unique. Et bienvenue dans ce 17e épisode de notre aventure sur Borderlands The Pre-Sequel. Et je suis, comme d'habitude, en compagnie de l'Austral, alias Nisha, la justicière. Qui est juste là. Bien le bonjour, le Zing, c'est l'Austral. L'Austral en slow bar devant sa télé pour la reprise. La reprise de l'aventure suivie sur Borderlands de Pre-Sequel. J'étais sur le toit du monde, là. Ouais, t'as pas sur le toit. Je ferai une... Non mais c'est une expression, le toit du monde. Est-ce qu'on peut me donner un autre acolyte, s'il vous plaît, un peu plus cultivé? Non mais regarde, moi je vais carrément au bout. Voilà, non, moi, mais je suis sur le pic. Ouais, mais y a pas de texture sur le... La texture est pas chargée sur je le bouton. Je m'en fous, je suis sur le pic du monde, moi. Tac. Voilà, il est obligé de faire ce que je fais à chaque fois. C'est un truc qu'il peut pas, il peut pas faire autrement. Il est obligé de croquer. C'est un truc qu'il peut pas faire autrement. Mais je venais te chercher, Austral. Tu m'avais perdu sur ton toit. Tac. Moi, je vais me faire ces petits togors là parce que tu es seul. T'es pitié. Donc du coup, qu'est-ce qu'on est censé faire? Je sais même plus où on en est. Rediriger voilà, là, le flux. Les gars qui fait. Faut qu'on redirige le flux du mazout qui veut envoyer je sais pas où. Ah, tu veux jouer à ça? Tiens, tu es mort. Non, mais je suis pas mort. J'étais mort. Moi, j'ai fait des dégâts avec ses lasers, le mec il ratisse la pièce, y'a rien qui repousse. Hein. Tout le monde m'a vu tirer 3 balles dans le mur, moi en essayant de viser l'autre, donc bon, c'est pas grave. Bien. Oh, y'a un vaisseau. Un vaisseau? Chasseur de dalles volées. Ça sonnait mieux dans ta tête. Bon. Ah, ça balance des mines. Non, mais c'est de la merde. C'est de la merde, voilà. Il est où l'autre? Là. Je fais de la merde. Oh, je l'ai abattu en l'air. Tu l'as abattu? Je l'ai abattu. Ou tu l'as abattu? Je sais pas. Tac. On l'a abattu. C'est bien. C'est sympa. C'est valide. Ok. Du fric. Là oui. Où la thune. Parce que c'est ça qui est bon. Faut qu'on monte là-haut. Flow control. Par contre, j'ai plus d'oxygène, moi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah oh, putain, il y a avalanche dragon. Où es-tu toi? Tu es parti là-bas. Je suis pas très loin, mais je vais mourir en fait, je crois. Avalanche dragon, grenade. J'aurais récupéré, voilà, j'aurais récupéré un peu d'oxygène, si c'est pas trop demandé. Voilà. Voilà. Pourquoi ça vise? Ah, j'aurais équipé le snipe, ça aurait été peut-être pas plus mal. Oula, j'ai un freeze. Je sais pas si tu l'as vu. J'ai un gros freeze. Oui, je l'ai eu aussi. C'est vrai? Ouais. Bah en fait, j'ai eu le même tout à l'heure dans les. Ah, parce que je voulais savoir si c'était la... si c'était dans le jeu ou si c'était le HDPV en fait. Ok, j'ai bien pris mon temps pour te répondre. Ah oui, c'est pour ça. Non, je l'ai eu aussi, j'ai eu le même en fait dans l'épisode précédent, c'est pour ça que je faisais. Ah bah d'accord, j'ai activé ma compétence et plus personne. Tout le monde a été. Tout le monde a été. Comment dire. Témoin de ça. Ouais, oh. Un petit peu moins de gros mots là, s'il te plaît. Je la trouve bien grossière, moi, ta petite Nisha là. Est-ce qu'il y a un souci? Non, pardon, maître. Pardon. Ne me fouettez pas. Bang! Ah, t'es comme ça toi. Ouais, d'accord. Bon, moi je vais activer la mission hein, parce que c'est pas le tout. On se balade, c'est bien joli. C'est joli tout plein, mais bon. Qu'est-ce que cette caverne là-bas en face? Quelle caverne? Putain, ça y est, il m'a intrigué. Ah, tu fais chier, Austral! Beasties. Parce que si je revois encore un autre clin d'œil de. Et bien, si ça se passe, je deviens fou, oui, je deviens fou. Calme-toi. Je deviens fou. Ouais, il spawn juste à ma gueule, lui, non? Minable. Je fais de la merde. Je change mon kit d'oxygène. Allez, vas-y, tape-moi. On a plus.
il y en a un dans mon dos qui m'a croqué. Je sais que j'ai un beau postérieur, mais c'est pas la peine de me croquer comme ça, enculé. Ouais. J'ai envoyé mon truc à côté. Regarde, il me croquait le cul. C'est vrai que moi je croquerais bien le cul aussi, Anisha. c'est vrai, quoi. Regardez. Mec, oui, dit comme ça. Qui ne lui croquerait pas le cul, sans déconner. Bon, bref. Avance. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Surtout quand t'es en l'air comme ça, on a une belle vue. C'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on fout là en fait? Je sais pas, j'ai vu une caverne, tu es rentré. Moi. Ouais, mais là, il voit de la lumière, il rentre. Moi, je vois déjà la caverne. Il est derrière nous aussi. C'est ça le problème. Et bah, va à l'objectif, je vais voir cette caverne. Comme ça, au moins, ils auront deux vues. Non, mais comme ça, ils auront deux vues différentes, les gars. Ouais, t'as pas tort. Ouais, ça va, tu te défends bien, tu te défends bien. Tu te défends bien de quoi? Voilà, si vous voulez voir l'objectif, ce qui va se passer, allez voir sur la Necros TV et puis j'ai failli faire ouais, un plagiat. Ouais, t'as failli faire un plagiat ouvert là. Oui. on l'a tous entendu, mais on ne dira rien. Ça passe pour cette fois. Oh, des pierres lunaires, tiens. 49, putain. T'en as combien les pierres lunaires? Je sais pas, mais avec le claptrap, j'en ai une chier, mon gars. Ouais. D'ailleurs, je vais même regarder s'il n'y a pas moyen de se les refiler. Moi j'ai vu, c'est le fric qui se file. Dans les caisses? Hein? Ouais, on peut ça dans la caisse. Non, pas par les caisses, carrément quand tu rejoins un truc. Bah oui. L'autre jour en faisant le con, j'ai rejoint la partie de l'Austral avec. Et je suis arrivé de sa partie, et là j'ai vu un gros plus 4000 et quelques dollars. Bon, t'as pas peur du vide au moins? Pas tout à fait. Non. Regarde en haut si tu cherches. Par contre, il y a un vieux bug en multi. Quand tu rejoins des parties, des fois qui sont déjà. Avec des mecs qui sont déjà en train de jouer, ça te réinitialise tes points de compétence. Oui, bah c'était ça l'a fait aussi. Ouais. Ça me l'a fait tout à l'heure quand j'avais rejoint une partie avec. Vous avez intérêt à envoyer des plus costauds. Avec Dark Shiki. Envoie-t-on nos hommes les plus cruels pour réduire le chasseur de l'arche en pourri. C'est bien ce que je comptais faire, mon cœur. Arrête de donner des conseils. Merde, tactiques. J'ai chié dans la colle. Désolé, j'étais dans l'ambiance. Crevé, oui. Qu'est-ce que ça se passe? Comment ça se passe de ton côté toi? Oh, ça se passe pas trop mal, ça se passe pas trop mal. C'est pas plus mal de faire comme ça, j'aime bien moi. Ouais, je me fais attaquer par 15 000 mecs en même temps, mais ça va! Je gère! Et bah lui il est en train de se battre contre des gardes. Non, contre des soldats. Contre plein de saloperies en fait. Je me bats contre un cragon en armure, c'est complètement craqué. Il s'appelle Petit Animal Pillard. Oh, et si je me bats contre des cragons, ça envoie du stekos. Je les ai tous des glingos. Un hors la loi niveau 11. Ridicule. Level up. Il a déjà level up le gars. Bon moi je suis pas loin non plus, tu me diras. Mais là y'a plus personne pour level up, c'est ça qui fait chier. C'est que je suis à 2 mm de level up, il me reste plus qu'un ennemi puis c'est bon, y'a plus personne, tu sais. Ah moi j'ai. Ah oh d'accord. Ça va faire quoi ça? Ça me permet d'accéder ici, ok. Loupé. C'est ça. Oh, oh cette classe la plus totale. Le mec il m'a balancé un couteau à la gueule, je l'ai arrêté avec mon bouclier. Toujours là? Genre le gars il se fait un trailer, tu sais. De quoi? Il se fait une bonne annonce pour que mes abonnés ils aillent voir sur sa chaîne. Attends, moi je vais faire pareil, regardez. Non, non, je ne veux pas mourir. Non, non, laissez-moi. Pouh, la fin du monde approche sur Austral TV. N'importe quoi. Ils sont... Merde, tiens. Non, John, non. Godzilla. C'est le gars qui a mis... Mon dieu, Optimus Prime. Freddy Krueger, Michael Myers, vous êtes tous là? Bouffe. Allez, viens là. Et quand j'aurais pu... Pillard brutal, tu étais brutal, tu ne l'es plus maintenant. Oh le fail, là par contre j'ai fait un dégât. Alors, tu es brutal peut-être, mais je suis... Ultra brutal. Non. Moi j'allais dire impitoyable parce que c'est une référence à Clint Eastwood. Oh, je le décapitais, c'est ça qui est... Oui, je trailer encore. Ouais, c'est ce que j'entends. C'est quoi ces cloches géantes là-bas? Et là, ça va jouer. 759 de dégâts. 45 pierres lunaires. Ah oui, quand même. Non, je déconne. attends, je peux te rejoindre? Tout compte fait.
Ok, non, moi c'était juste une petite zone, il se passe absolument rien ici, je vais activer ce truc là et voilà. C'était quoi cette mine? Waouh, c'est quoi ce délire? Ah, mais. En fait, pour vous donner une petite indication du. Non, rien en fait, je suis fermé la gueule. Je suis passé à travers le mur. Je vais finir de fouiller la zone et je vais revenir sur mes pas. Ah, j'ai un bug, Austral. Mais un bug violent, quoi. Je suis dans le décor en fait. Non, mais c'est pas moi, sérieux. Quoi. Restez sur Austral TV, chers amis. Non, mais ça arrive qu'à moi, sérieux, je suis dans le. Eh putain, mais j'ai déjà eu les mêmes sur tous mes jeux, j'ai déjà eu ça. J'ai eu ça sur Uncharted, j'ai eu ça sur quel autre jeu j'ai eu. J'ai eu que des merdes comme ça, mais c'est pas possible quoi. Comment je me sors de là? Va falloir que je meure en fait. Bah, tue-toi. Non, mais c'est pas possible quoi. Non, mais sérieux, c'est une blague. Je te récupère des armes, tu verras ça plus tard. Ouais, bah super, oui, si j'arrive à me sortir vivant d'ici quoi. Là, pour l'instant, mon gars. Oh, non, mais c'est abusé, putain, vous êtes tous témoins, j'ai même pas compris comment ça s'est passé quoi. Tu te. Ah non, mais là, ça c'est pour avoir des vues ça. Non, mais je te. Putain, oh, regarde, je suis bloqué là, bordel. Non, mais ça me gave. Là, par contre, ça va m'énerver là. Allez. Ah. Le coffre il est au-dessus de moi, j'ai pas pu révéler ça. J'ai trouvé un symbole de l'arche au cas où. Je m'en fous, je suis bloqué dans le décor. C'est pas juste, pourquoi je peux vraiment pas te sortir là. Non, je suis Keblo, putain. Je vois la sortie, mais je suis Keblo dans le décor. Oh, je suis sorti. Jouissance totale. Maintenant c'est la vengeance. Calme-toi quand même. Ramène-toi. C'est à cause de toi que je suis mort. Enfin, je suis pas moi mort, je crois que j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire ici. Hein. On dirait qu'il y a un chemin de roche là qui a été créé dans cette caverne. Il y a un petit pont là naturel qui a été créé. Je pense pas que ça, ouais, ça mène exactement. Mais je te parle pas, je parle aux abonnés. Déjà, toi, je te snob déjà d'une. Ferme ta gueule. Voilà, ça c'est fait. Et on va continuer cette exploration dans les cavernes. Bang. C'est un bordel ici. Oh, un lance-roquette Tellior. Je vais ramasser, je vais jeter une arme de merde. Voilà, donc l'exploration était finie. Ah oui, quand même. Putain, mais. Dégage! Ah, moi que là-haut, je vais aller voir. Merci. Ah, mais non, mais je crois que c'était un truc pour s'élever dans les airs, mais ce n'est pas le cas. Ok, vas-y, viens, vas-y, tire-moi dessus, mais bon, rien de merde. En fait, y'a rien à foutre ici, en fait. Hormis débloquer un symbole. Wow! On se calme, les mecs, on se détend. On se détend la couille. Wouhou! Je vais crever. Et là, si je crève. Oh putain, l'objectif il est là! Vite, non! 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 Je suis dégoûté! Comment je remonte, moi? Bah, moi je vais crever en tout cas. Non, je suis devant l'objectif! Non, mais ne faites pas ça, je suis devant l'objectif, putain! J'ai dû l'activer trop non, tôt! Je suis mort! Ah, c'était juste! Je suis mort, Austral! Je suis mort, devant l'objectif! C'est très. Pardon. Putain, puis je réapparais à côté de toi en plus. On le fera plus souvent ça. Je réapparais à côté de toi aussi, par contre, ça c'est problématique. Les chemins alternatifs. Ouais, non, mais non, tu m'écoutes pas. Si, je t'ai entendu. Je peux faire deux choses à la fois, tu sais, je suis un homme. Mais je fais comment pour retourner? Non, mais non, mais j'étais. Hot Spinigun Vladov qui fait des dégâts de feu ici. Ouais, mais moi je voulais retourner à mon objectif là, je vais prendre ma vengeance moi. T'es dans la grotte? Je suis derrière toi en fait. Ou devant, au pire. Je sais pas, je vois ton nom. Y'a là où je suis, y'a un Vladov là qui fait des dégâts de feu là, qui fait 32 dégâts là. Je peux plus ah respirer. Ouais, bah j'en ai un qui fait 29. Et bah viens le prendre, c'est un Spinigun. Ah! Oh! Attends, parce que faut que je le montre à mes abos ça. Intéressant. Parce que moi j'aime ça les Spinigun. Spinigun, c'est ce que j'avais avec Salvador. En fait, avec Salvador, j'avais donc quand t'as tes 4 slots d'armes, j'avais 2 revolvers équipés, mes 2 Magis, et j'avais 2 Spinigun parce que les Spinigun, imaginez ça dans chacune de vos mains. C'est ça. Et ça avec Salvador, c'est jouissif.
Et du coup, avec Salvador, je demandais plus que ça, moi, des spinnyguns en type d'arme d'assaut. Voilà, bon, du coup, je récupère mon snipe, c'était juste pour montrer. Ceux-là, ils sont pas très très efficaces parce que c'est des dégâts élémentaux, donc ils sont pas très rapides. Mais les spinnyguns Vladov Brut, attention, c'est un abusé, oui. Surtout que j'avais 80%, j'avais une compétence ultime avec Salvador qui me permettait d'avoir 80% de cadence de tir en plus lorsque j'étais en mode Fury. Sachant que le mode Fury vous donnait déjà 50% de cadence de tir en plus à la base. Il est quasiment meilleur en tout que celui que j'ai actuellement, sauf en précision. Et j'ai ça aussi. Mais je vais le prendre quand même, attends. Je reviens de mes voyages avec des souvenirs, je t'ai acheté des souvenirs, tiens. C'est sympa, moi j'ai certainement dû en choper aussi. Ça et voilà, et tu regardes. Voilà, ça c'est le spinny gun. Tu regarderas. Plus tu tires, plus la cadence de tir augmente. Et donc il m'a lâché ça, il m'a laissé des cadeaux l'Austral. Ouh, ah oui. Mon voyage dans les grottes. Intéressant, intéressant, très intéressant. Bah je vais les prendre par contre, moi j'ai les poches pleines de merde. Donc il va falloir que j'en lâche. Bon, l'objectif. Tout ce qui est élémental, je vais foutre de côté. J'ai ça, ouais. Ça, tu peux pas monter avec ce tremplin là. Il est pas assez puissant le tremplin. Ça dégage. Je ramasse ça. Et puis ça, on verra ça plus tard. Je ferai les tests en off. Et vous verrez ces armes dans le prochain épisode. Voilà. Comment on fait pour monter là-haut? Pour monter là-haut. Pour monter où? Bah, en fait, je voulais aller à l'objectif là, mais il est là-haut l'objectif. Oui, bah oui, attends, suis-moi. En fait, c'est là, je vais éviter de refaire la même connerie parce que c'est justement là où je suis tombé bloqué dans le décor. Tu verras, non mais c'est abusé. Il y a qu'à moi que ça arrive, c'est saloperie. C'est juste abusé. Comment je m'en rappelle plus en fait. Si, c'est par là. Et voilà, j'en aurais eu un. Alors, c'est par où que t'es passé? Par le tremplin là? Bah, faut que tu me suives. Voilà, c'est par là-bas. Ça sert à rien, ok, c'est là-bas. Viens de mon côté en fait. Et avec le caprap, il y a une compétence qui te permet de rebondir. Ouais, enfin oui. Ça rebondit automatiquement. Ouais. Et le truc, c'est que ça fait rebondir aussi tes alliés quand tu l'actives en multi. C'est énorme. Ouais, sauf que c'est juste casse-couille. Ah ouais, c'est horrible. Mais pour tuer pendant les phases de combat, c'est assez marrant. Le trampoline, là? Alors comment j'ai fait? Putain, voilà, il y a ces fils de pute qui nous tirent dessus, là. Oh, ça va être réglé, ça. Comment ça se passe? Ils sont où? Ils sont là. Ouais, mais il y a un zoom de fou aussi avec. Ouais, mais le mec, calme-toi! Quoi? Wouah! Qu'est-ce qu'il y a? Aïe! Bah, en fait, le mec, il est venu se coller à moi. Ah, mais non, tu fais la zingue, moi. Allez, putain, j'arrive pas à viser. Bon, là, je vais y arriver. Putain, la prise. Merde! Précision, c'est pas ça qui est. Bah, ouais, je fais pas de dégâts alors que je suis dessus, je comprends pas. Ah, putain! Oh, mais j'ai un retour de lag encore. Fuck. J'ai un vieux lag moi encore. C'est vrai? Bah putain, je tire dessus, regarde mes abonnés sont témoins, là je l'ai fait. Par contre je l'ai fait en retard. Les dégâts ils s'affichent carrément après moi. Ah ouais? Ah bah là ouais c'est carrément lag, hein. Ah bah arrive. Parce que là je peux pas être plus dessus, là c'est bon. Ça arrive. Ah bah putain. Mais de toute façon tu l'as vu l'épisode 2 sur ma chaîne? Non, pas encore. Et bah tu verras, à un moment il y a un petit cragon en fait, juste avant que je saute dans la fosse pour récupérer le pognon. Ouais. À un moment je dis tu sais merde le fric et je saute dans la fosse pour récupérer le pognon et juste avant je shoot un cragon et ce cragon là je suis pile poil dessus et y a pas de dégâts. D'accord. Donc, tu vois là où tu te tiens là? Eh ben ouais. Eh ben je suis mort là. Ah d'accord. Oula. Oh la vache, la plateforme tourne. Ouah attends, ça a lâché quoi là? Ah non d'accord. Ça me fait penser à quel jeu ça là, les trucs qui tournent et les pistons qui se mettent. Pas un Prince of Persia? Si, le premier Prince of Persia, il y avait un truc comme ça, non? T'avais une plateforme, fallait monter, fallait descendre, et t'avais des symboles de la lune sur les murs en fait. Oui, 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 fallait très chiant. Très, très, très chiant d'ailleurs. Retourne à l'usine. Ah, j'ai plus d'oxygène. Oh, c'est bon. On va pouvoir fabriquer un pont à nous. Je passerai pas. Les meilleurs hommes t'y attendront, chasseurs de l'arche. Ouh, une grenade de glace. Il y a des choses intéressantes là-bas ou pas du tout? Il y a des modes de grenades qui sont assez intéressants, ouais. Non, on en a d'autres. Dont trois qui devraient te plaire. J'avais besoin d'oxygène. Je suis redescendu. Bah écoute, je vais en prendre un maximum. Ah putain, je peux en prendre qu'un seul. Et j'ai plus d'oxygène. Et de vie, j'ai besoin. Et bah écoute, je te l'ai dit, tu vas me dire lequel tu veux. C'est 3 kits de grenades SCAV. Il y en a un qui fait 311 de dégâts. Un qui fait 303 et l'autre 311. Avec 638 de rayon. 1,2 ouais, de retard. J'en ai un qui fait 0 de retard, donc elle explose directement. Et combien de rayons? Alors moi je veux celle 638 de rayon et 311 de dégâts. Et puis celle qui fait 303, elle fait combien en rayon? Elle fait 770.
Ah bah c'est exactement le même que j'ai. Avec 2,2. Non, 1,8. Bon bah la mienne est mieux. Ah bah non, la tienne est mieux du coup. Ouais. Ouais, mais pour 40 oui, voilà. centièmes de seconde. Laisse tomber la neige. J'ai plus de place dans l'inventaire et j'ai plus d'oxygène. Laisse tomber la neige. Il faut à tout prix que je me casse et que je récupère de l'oxygène. Et le problème c'est que je l'envoie pas à portée. Si, là. Si, si, faut tomber au centre. Ouais, mais je suis loin. Je suis en train de mourir en fait. C'est ça le problème. Ouais. Mais attends, on peut pas passer. Bah non, mais je suis con, il y a moyen de passer par là. C'est quoi ces trucs là, Maliwan et tout? T'avais vu ça, je suppose, oui. Ouais, mais m'intéresse pas. Bon, bref, qu'est-ce qu'on fait là? Faut aller là-bas. Qu'on continue là-bas, ouais. Là, j'ai plus de santé, moi, par contre. Ouais, je suis au courant, j'ai plus d'oxygène, c'est bon. Ah, on est revenu là, d'accord. Donc là, ça va respawn si tout se passe bien. Oui, logiquement. Combien de temps l'épisode là? 20 minutes, on est large. Ok. Voilà, le point de respawn, je récupère de l'oxygène au passage. Oui. Y'a personne à aplatir bon. Là comme des crêpes, non? C'est bon comptable comme ça, non, et puis ils ont tous respawn, les encucu. Ok, parfait. Et ben, bah tiens, au moment où je sors le snipe, lui il me fait chier. J'adore le bruit de ces armes là. Ouais, je sais que j'ai un point de compétence. Touche pas Nisha, enfoiré! Ben. Oh, mais il me touche pas longtemps, t'inquiète. Bien là, toi, merci. Ah, le recul qu'il y a sur ce snipe. Ah bah j'ai plus de balles de snipe, ouais, comme ça moi c'est plié. Par contre du coup je vais équiper rapidement ça. Et on a toujours l'arme de mission dans l'inventaire d'ailleurs. Ouais mais ça va, elle prend pas de place dans l'inventaire. Heureusement. T'inquiète pas mon gars, j'arrive. Je peux pas Mentos. Voilà, je suis monté. Tac tac, je récupère ça. Mon gars, je vais venir te faire ta fête d'ici peu. Si t'es gelé, t'es mort, hein, je tiens quand même. Hâte-le. Préciser. Plus personne, quoi. Non, il est mort. Oui, donc faut rentrer dans le bâtiment, là, je suppose. Ouais, on tourne là où on était, en fait. Faut qu'on réactive le truc pour pouvoir déverser le plutonium de mes couilles, là. Alors, vous allez dire, Austral, t'achètes plein de munitions qui te servent à rien, du type lance-roquettes, tout le bordel. Ouais, mais vous savez pourquoi? Parce que j'ai pas envie de me faire chier, voilà. Je spam absolument tous les types de munitions pour aller plus vite. En général, c'est ce qui se passe. De toute façon, là, c'est vrai que j'ai pas encore de lance-roquettes, moi. T'en as des lance-roquettes, toi? J'en ai ramassé un, ouais. C'est vrai que j'en ai pas encore vu beaucoup depuis le début. Je l'ai pas équipé. Regarde ça pour Malheureusement, y a pas de lance-roquettes, Jacobs. Chier. Bah écoute, moi les lance-roquettes, à part les Vladoc, je vois pas ce qui pourrait m'intéresser. Je sais plus, moi, celui. Ce qu'il fait. Bon. Oh la vache, les dégâts! Mais lui, il fait des dégâts, lui! Est-ce que je peux le tuer? Ouais, je peux le tuer, laisse-le-moi. Bah, ça allait très très vite. Je sais même pas de qui tu parles, en fait. Allez, dessus! Oh putain, la vache! Oh les critiques que je lui envoie! Attends, je prends le gros! Je prends le gros! Ah, il est mort, le gros! Non, il est mort derrière moi! Je l'aurai jamais. Le détrousseur des lilas, là, à mon avis, je l'aurai pas. Merde, t'es où? Allez, allez. Ah bah non, j'avais oublié que j'avais pas le snipe en deuxième arme, en fait. Vas-y, fais-lui sa peau. Thanks. Fais-lui la peau, détrousseur. Attends, rampe de pute. Ah, j'ai un défi réussi. Bon bah tout ceci est magnifique, tout ceci est parfait. Aïe, 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 je me suis fait mal. Dégâts corps à corps, dégâts critiques. Il faut être puissant. Ouais mais non. Apparemment c'est au niveau inférieur encore, hein, que se situe l'objectif. Oui, bah c'est là où on était tout à l'heure, je te dis. Tu m'écoutes pas en fait, hein. Bah, en même temps ça shoot partout, tu sais, forcément. Non, je cherche pas d'excuses. Si. Tu m'écoutes pas. Tu sais, des fois t'as autre chose à foutre que... Bah en quoi, c'est vrai que j'ai autre chose. Je sais pas. J'y suis. Et ça déverse. Tu peux traverser le lac. En route pour le Drakensberg. Parfait. On va enfin mettre la main sur cette IA. Tu sais bien que t'as aucune chance, chasseur de l'arche. J'ai toute une armée. C'est un boss. Toi, t'as juste un gamin. Oh putain. Dragon brutal. Moi je dis faut sauter parce qu'à mon avis. Oh putain, il va sur moi. Regarde, il est gelé. Mon arme, le gel sans aucune forme de pitié. Le mec, il peut rien faire. On va le déglinguer. Oh là, regarde, chauffe les gars au fusil à pompe. Oh, le fusil à pompe, il est puissant.
cheveux. J'ai pas compris. Oh, par contre, il y a pas mal de recul sur ce pompe. Voilà. C'est marrant, il tire deux balles, mon pompe. Oh putain. C'était quoi ça? Il est où? De quoi? C'était quoi? Le cragon là. Hop, ah. Vas-y, défonce-le, je l'ai. Hop là.